Le président Sall a pris une excellente décision, courageuse, en euh, donc, euh, autorisant la réouverture des écoles du Sénégal. Et ceci nous a permis donc, de terminer l'année et d'organiser les examens euh, du CFE. Euh, donc euh, au BFM en passant par le bas. Et tout s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu d'incident majeur ou de difficulté euh, non surmontables. Alors, euh, ceci étant dit, euh, il y a eu une petite polémique sur les résultats euh, qui, qui sont meilleurs euh, que les, les, les trois dernières années et qui semblait inquiéter certains. Mais je voudrais relever que lorsque vous organisez un examen, plus de la moitié des candidats échouent. On ne peut pas dire que les résultats sont bons. Objectivement. Les résultats sont bons parce qu'il y a un bon qualitatif par rapport à l'année dernière. Certainement que nous serons vers 45% ou plus je pense que c'est de bons résultats, euh, mais très relatifs. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas à 50%. C'est pourquoi je dis que dans ces conditions-là, dire que euh, les, les épreuves ont été euh, donc, euh, allégées pour les rendre accessibles à tout candidat euh, me semble inapproprié. Pour la bonne simple raison. Que la, plupart des, la, la majorité des candidats a, échoué, a malheureusement échoué à, à l'examen du, du BAC. Mais celui qui l'a dit n'a pas, pas cette qualité. C'est insulter l'homme sénégalais 6 dans sa probité, dans, dans, dans sa moralité, dans son, dans son culte de l'effort et du mérite. Ce système-là est un système très sélectif. Si vous n'êtes pas bon, vous ne passez pas. Aujourd'hui, le taux de déperdition scolaire est extrêmement élevé. Parce que simplement, nous étudions en français qui n'est pas notre, déjà notre, 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 notre langue, qui est une barrière. C'est un système qui est très sélectif. Je pense que euh, celui qui l'a qu dit a insulté tous les acteurs du système éducatif. Lorsqu'on est professeur d'une matière, on dit que les, les, les épreuves ont été allégées. Évidemment, il fallait faire une étude comparative entre l'épreuve au mois de l'année dernière et l'épreuve de cette année-ci. À partir de ce moment-là, de pointer euh, donc les éléments euh, qui prouvent que les épreuves ont été à, donc euh, sciemment ou bien à dessin allégé pour permettre au candidat de passer. Je pense que euh, c'est un discours pour moi euh, qui relève vraiment euh, de d'analyse hasardeuse euh, ou bien de vouloir simplement euh, d'entacher de, de, euh, la, la crédibilité du bac. Les résultats, les bons résultats peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs, parce que le bac ne s'obtient pas en classe de terminale. Il faut d'abord un, un bon niveau. Il faut arriver en terminale avec un bon niveau, à que seconde, première, terminale. Lorsque vous arrivez en terminale avec un bon niveau, évidemment, vous avez la chance de passer donc euh, avec succès le, le bac. Nous voulions pas que les, que les que les que les enseignants pendant euh, toute cette période de rupture ont titoré, on, on continué à encadrer les, les, les élèves à travers des groupes WhatsApp, en envoyant des cours, des exercices. Ça compte aussi l'auto-encadrement, puisque les élèves créent des groupes de travail, créent des groupes de travail, et euh, donc s'appuient et se, se soutiennent en fonction donc, des dispositions euh, des uns et des autres par rapport aux différentes euh, matières. Donc toute la communauté s'y est, est, est mise. Puisque à l'école c'est 40% de, de contenu d'explication, de mais pour avoir le bac, il faut faire de la recherche, il faut des efforts supplémentaires à la, à la maison. Donc faire cours de, du mois d'octobre au mois de juin ne suffit pas pour avoir le bac. Combien d'élèves ont échoué et qui n'ont jamais connu de perturbation lors des de, de cycle, du CI au terminal, en tout état de, de cause? Euh, je féliciterai vrai, véritablement euh, tous les acteurs, les enseignants, euh, les, euh, les parents d'élèves, la société civile, l'administration territoriale, les IA, les IF. Vraiment, au nom du ministre de l'Éducation nationale, on doit les, les, les féliciter parce qu'ils sont mis, ils, donc ils ont, ils ont travaillé pour que nous arrivions à ces résultats-là. Et, et d'ailleurs, c'est l'occasion pour le dire. On, on s'est rendu compte qu'avec la, la COVID, et le ministre de l'Éducation nationale, Moutala, en a conscience, en a pris conscience qu'avec la Covid, l'enseignement à distance et sera plus que semé sollicité. Donc tout ceci explique que donc, les résultats ont été bons. Et j'ai dit que l'ambition du ministre de l'Éducation nationale, Moutala, n'est pas des résultats de 45 ou 50 Donc l'ambition du système euh, éducation, éducatif, c'est d'avoir des résultats qui, 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 qui avoisinent les 80 voire les 90%. C'est ça de l'ambition, mais pas des résultats qui sont en deçà de la moyenne.